L'école va commencer. Je me dépêche. Oh, c'est bien ce que je pense, hein. C'est Zouzou qui veut encore nous faire réciter nos leçons. Ben, moi, je vais faire celui qui a rien entendu, là. J'ai emporté mon cahier et ma plume parce que j'ai... Eh bien, monsieur Doudou, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous n'avez pas entendu la cloche? La cloche? Quelle cloche? Mais de quoi elle se mêle, cette grenouille? Ah, Kiki. Vous n'avez pas vu Doudou? Eh bien, c'est que... Je ne sais pas, je... Je comprends. Ce gros paresseux Doudou n'a pas appris ses leçons, n'est-ce pas? Doudou. Alors, Toutou, il faut que je vienne vous chercher? Mais non, c'était pas la peine. Pourtant, vous savez que ce n'est pas bien d'arriver en retard à l'école. Mais j'ai pas besoin d'aller à l'école, moi. Je sais déjà tout, alors. Asseyez-vous. Nous allons commencer par une petite révision. Oh, une petite révision. Oh là 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 là. Ouvrez vos cahiers et prenez vos plumes. Je vais vous faire faire une dictée. Dictée, mais c'est l'orthographe, ça. Oui, monsieur Toutou, c'est l'orthographe. Oh là, bah alors. Taisez-vous, Toutou. Je dicte. Le chat, la belette et le petit lapin. Oh, le chat. Encore une histoire de chat, naturellement. Écrivez. Le chat, C'est un chat. Toutou, voulez-vous ne pas copier, je vous prie? Oh, j'ai renversé l'encrier, j'ai fait un gros pâté. Oh là 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 là. Oh là là, puis c'est même un très gros pâté. On pourra plus faire la dictée. Il n'y a plus d'encre. Oh, ben ça c'est vrai, fini la dictée. Voyons, Toutou, où allez-vous? Eh ben, je m'en vais. Si on fait plus de dictée, j'ai plus qu'à m'en aller. Toutou, passez au tableau. Oh là 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 là. Oh bah alors ça, c'est la catastrophe. Je vais vous interroger, Toutou. Aujourd'hui, c'est l'arithmétique. Et la géographie. Oh, la géographie. Combien y a-t-il de mètres, Toutou, dans un kilomètre? Calculez-moi le volume et la surface d'un cube. Dites-moi si notre Terre a la forme d'une sphère. Dites-moi si les tropiques passent bien par l'Amérique. Les tropiques. Réfléchissez bien et n'oubliez rien. Non. Alors répondez si vous le savez. Bon, ben, alors vous voulez que je réponde à toutes vos questions? Oui, Toutou. Et à toutes vos questions sans exception? Sans exception. Eh ben alors voilà. L'arithmétique, c'est pas sympathique. Oh. La géographie, j'en suis étourdi. Oh. Les problèmes et les théorèmes, c'est pas ce que j'aime. Oh. C'est ça qui m'ennuie. Oh, Toutou. Ouais, j'ai bonne couleur de toutes les couleurs. J'aime chanter, j'aime m'amuser. Oui, j'aime bien chanter de gai refrains. Et j'aime les gâteaux, les petits et les gros. Toutou, vous aurez un zéro. Zéro, elle était pourtant pas mal, ma petite chanson. Et pour couronner votre ignoble, coiffez du bonnet d'âne. Oh, pauvre monsieur Toutou. Voilà, Toutou, tout ce que vous méritez. Oui, ben c'est pas juste, parce que les ânes, ils savent rien du tout. Rien du tout. Non, tandis que moi, je sais beaucoup de choses. Oh, non, Toutou, vous ne savez rien du tout. Ah, vous croyez que je sais rien? Oh, oui. Eh ben, suivez-moi, tiens. Allez, allez, suivez-moi. Oh, monsieur, monsieur Toutou. Et maintenant, c'est moi qui vais vous interroger. Oh, monsieur Toutou va nous interroger. Mmh. Savez-vous comment la graine pousse en terre quand on la sème? Dites-moi comment on fait pour labourer, pour planter. Pourquoi la belle saison voit naître les papillons? Et aussi pourquoi les fleurs ont de si belles couleurs? Oh, ça je sais pas. Réfléchissons bien et n'oublions rien. Ne nous trompons pas. Moi je sais tout ça. Oh, c'est vrai, monsieur Toutou? Oui, oui, certainement. Hein? L'histoire naturelle est bien la plus belle. Et la botanique, c'est très poétique. La culture et l'agriculture, toute la nature, ça j'ai tout compris. Alors, vous savez beaucoup de choses? Oui, j'aime les fleurs de toutes les couleurs. J'aime chanter et j'aime m'amuser. Oui, j'aime bien chanter de gai refrains. Et maintenant allons apprendre nos leçons. Oh, moi je veux bien apprendre mes leçons, mais il faut d'abord m'enlever ce bonnet d'âme. Bien sûr, monsieur Toutou. Parce qu'avec un bonnet d'âme, je pourrais jamais devenir un bon gros toutou savant.